Nous allons écouter vite fait ce témoignage qui va nous bénir. Maman Hortense Mbongo, venez. Si quelqu'un peut prendre les bébés de la sœur Mireille. Du fait que Maman Hortense Mbongo a accepté de coudre les uniformes à Dassa, écoutez ce que Dieu a fait dans sa maison, dans sa vie. Si on peut amener les micros rapidement, on va partir avec ces témoignages. Vous savez, je parle comme ça, au côté de Mawa. Témoignage et examen des théories. Vous savez, asseyez-vous, Maman Thérèse. Oui. Maman Esther Masanka, asseyez-vous maintenant. Écoutez, on va écouter ce témoignage, on va partir avec. Maman, le Seigneur m'a mis à cœur. Maman Denise Telemana Pambolo na Kombonaïsu. Regardez notre couturière de Liège. Elle est là. Acclamons le roi des rois. Merci beaucoup, Coco Fanda. Alors, j'ai vu qu'elle seule ne saura pas faire tous nos uniformes. Regardez ici. J'ai contacté maman Esther et maman Hortense Mbongo. J'ai dit, maman, moi, Zalio Sungabiso, vous pouvez nous aider parce que c'est elle qui est ma couturière depuis des années. De coudre aussi les uniformes de Gotel Dem. Elle m'a dit, ah, je ne peux pas refuser. Mais j'ai un examen de conduire des permis au école, de l'auto-école, le 16 février. Alors, on a dit que le maloba, on a moukousé, totala, arche oyo, cette arche, ces uniformes qui sont entrés dans sa maison, c'est ce qui a amené dans sa maison. Est-ce Shalom. Que tout le monde peut s'asseoir, s'il vous plaît? Les diacres là-bas, asseyez-vous quelques minutes seulement. On a payé trop cher cette salle jusqu'à 16 heures. On prend encore quelques minutes et puis après, on va libérer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, Mingi. Seigneur Chibishop Mireille. Je vous en prie. Nagoro loba boendega mama lobi. Tiens, micro bien. Nagoro loba boendega mama lobi. Tel que maman Archibishop le dit. On coupe ça non, combo nambo kofandi. Ah, combo nambo maman Hortense Mbongo, on a vain à Cologne. Moi, c'est maman Hortense Mbongo, j'habite à Cologne. Oui, quand on dit maman lobi. Comme notre maman, Seigneur Archibishop Mirenga Lulada, ça l'a dit. Elle m'avait appelé tout en me demandant si je pouvais coudre les habits d'uniforme. Je lui ai dit que oui, je peux le coudre, mais seulement je suis vraiment concentrée parce que j'étudie. J'ai un examen le 16. Le 16, oui. Le 16 février. Le 16 février, j'ai un examen que j'étudie. Ok, problème est zaté, mais naébi que heureusement, apaisinga témoignage. Tiens, micro bien. Apaisinga témoignage. Elle me dit, ok, je sais que tu vas réussir et elle m'a donné un témoignage. Oui, naioki la saisir, rango na kombo na Yesu na bi, amen. J'ai écouté et j'avais saisi cela au nom de Jésus Christ. Ngabi bon, cette fois-ci, nando sala sona tongi, na tangi, na tangalobi, ok. Je me suis dit cette fois-ci, je vais faire, j'étudie un peu, j'écoute. Je vais enchaîner les deux. On avait parlé de ça et à la fin, Maman Archibishop Mireille avait parlé de ça. Le dimanche, lorsque je suis venue récupérer les amis, à la fin, elle a encore prié pour moi. Donc vous comprenez que là, qui est de la main. Ce n'est pas derrière la maison. Elle est venue, elle a obéi. Spécialement pour prendre les femmes qui sont en place, elle va les coudre chez elle à la maison. Elle a un examen de 16. Donc, c'est dans quelques jours.
deuxième fois que j'avais réussi et malheureusement, je l'avais perdu. J'étais vraiment découragée et quand on m'avait dit de refaire, c'est à ce niveau-là que se situait mon problème. Et puis, les amis à Gassi. Seigneur, parce que l'examen que j'ai fait cette fois-ci, directement, j'ai réussi. Oh! Mettez-vous debout. Vous n'avez pas quand même 60 ans comme Marie-José Nzouzi. Go! Tell them! Ah, vous faites comme ça, tell them. Go! Tell them! Go! Tell them! Avec l'enlèvement de l'Église, nous serons semblables à Christ. Amen, 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 amen. Avec l'enlèvement de l'Église, nous serons semblables à Jésus. Amen, 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 amen. Sois béni, toi qui es debout. Avec l'enlèvement de l'Église, nous serons semblables à Jésus. Jésus, amen, 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 li. Ça, ce sont des miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Elle avait échoué 7 fois. Mm. 7 fois, donc 7 ans. 7 fois, tiens, micro. Na kendaka na zo bandela na zo échoué. Tina yako zwango. Et dati pe si. Ndena yako bandela sumba mona zwi. 7 fois en différentes périodes. Donc, j'ai changé de moi. J'y allais, j'échouais, j'y allais, j'échouais. Je vais te dire que tu as bien fait de venir. Amen. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui vont rentrer demain, ils vont aller au travail. Yes. Tu vois comment elle a fait violence. Amen. Elle a voyagé jusqu'à Amsterdam. Amen. Elle est venue prendre le Waxadassa. Mais elle avait un grand examen. Elle ne m'avait même pas dit qu'elle avait échoué 7 fois. Ça, j'ai écouté ça. J'étais en Israël, j'ai dit, mais maman, autant ce ne fait pas signe. Azuin examen, go, bien azuité. Elle a réussi ou bien elle n'a pas réussi. Elle aussi, comme c'est une femme qui me respecte beaucoup, elle ne me téléphone pas tout le temps. Elle dit, bon, je ne voulais pas vous déranger du fait que vous étiez en Israël. Et quand vous êtes rentrée, je vous ai laissé aussi le temps de vous reposer. C'est moi qui l'ai appelée. J'ai dit, bon, laisse, j'appelle quand même. Hein. Si elle a échoué, on va seulement célébrer dans les gloires à Dieu. Amen. Mais je trouve ce grand témoignage qu'elle a réussi. Amen. Qui vont faire les permis de conduire qui sont dans la salle? Lève ta main. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Je libère les permis de conduire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux amen, dire amen, je reçois au nom de Jésus-Christ? Je reçois au nom de Jésus-Christ. Depuis l'examen des théories pratiques, que tu décroches les permis de conduire en commençant par maman Hortense et tous ceux qui vont aller amen. Commencer. Je libère, je sais que maman Caroline doit amen. Faire encore l'examen des pratiques. Je libère. Recevez vos permis de conduire au nom puissant au du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus. Tout le monde est debout dans la salle parce que nous sortons maintenant. Amen. Un mot de la fin, maman. Tiens, micro bien. Seigneur Bishop, merci. Merci pour nos paroles, nos libérés qui pour amen. Nous avons alinga que zala ndenge wana na eko comprendre que alinga que zala bongo na échoué na zonga le sundeng wana amen pour apprendre un peu le sous sous amen merci maman merci merci beaucoup. Acclamons le roi des rois pendant qu'elle rentre. Il y a pas de pasteur dans cette église, elle cherche qui donner le micro. Gloire à Dieu. Voici, on clôture cette grande journée qui restera historique Man. Dans nos vies. Yes. Souvenez-vous de Brian. Mm. Brian n'était pas guéri au stade de Menengai 4. Amen. Mais du fait que les parents étaient là, du fait qu'on avait amené l'enfant là, yes. La guérison était déjà entrée dans l'enfant. Alléluia. Et quand il rentrait, avec les yeux physiques, il voyait que l'enfant était paralysé. Yeah. Mais spirituellement, l'enfant était déjà guéri. Amen, 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 amen. Ne quitte pas cette salle triste. Yes. Pour dire que cette situation ne change pas. Mm. La situation a changé. Yes, alléluia. Parce
Parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Ou pour se contredire. Yes. Il est Dieu. Amen. Il agit. Amen. Et il a agi. Amen. Nous partons dans la joie. Yes. Notre prochain rendez-vous, c'est go. Tell them. Go. Tell them. On fait avec force. Go. Tell them. Ici, on garde le silence. Je fais ici au milieu. Go. Les bras là-bas derrière. Go! Ici, on garde des silences. On va écouter cette grande équipe ici. Go! Ici, 10 sur 10. Alors, nous tous ensemble, go! Tell them! Go! Tell them! Le dimanche prochain, nous sommes ici, mais dans la salle derrière la réception. Le culte commence à 9h, mais l'intercession commence à 8h30. De 8h30 à 9h, à 9h, nous démarrons les cultes. Que Dieu vous bénisse. Partez avec ce grand morceau de ciel.